Je savais que c'était une journée un petit peu difficile pour moi. Old Navy, baby! J'ai un petit pot de colle! J'ai envie d'avoir un petit peu de me time. Bébé! Non, non, non! Elle suit le chat, mais comme si. J'ai un petit pot de colle! Ok. Magie. Miam miam. Miam miam. Oui, papa est parti partir l'auto pour que ce soit chaud pour Théo. Oh, encore une journée où les moufettes ont fait la pipi. Ça sent vraiment mauvais depuis hier soir dans la maison. C'est génial. On se demande si c'est pas le truc qui les a stressés ou pas, mais dans tous les cas, je pense qu'on va lâcher de la poulamite pour faire ça. En mettre genre en dessous où est-ce qu'ils sont, ça a l'air que c'est un des bons trucs pour les éloigner. Puis après ça, quand on va être sûr qu'ils seront plus là, mettre des cages à poules, genre. Tout le long du balcon, parce que notre balcon est comme quand même une coupe de pouces, là, de libre. Où est-ce qu'ils peuvent rentrer, fait que c'est sûr que... Ouais, donne la main à maman. Et on va mettre la main dedans. Baboum. Baboum. Papa, papa. Oui, on va aller dans le toit avec papa. Est-ce que tu vas aller dans le toit avec papa? T'es tout sale. Hein? Ming, 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 ming. Papa. Oui, c'est papa. On dirait littéralement qu'il est genre 4 heures. Ça n'a aucun sens comment il fait. Non, puis check ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? C'est quoi ça là qui tombe du ciel là? Non, non, non! Non, aussi! Mais bon, matin. Check ça, on fait tellement noir! C'est fou! On a la balayeuse robot qui est en train de faire son travail. J'ai une grosse journée devant moi. On a énormément de travail entre toi et moi à faire. J'ai un tournage aujourd'hui pour une de mes clientes. Je vais tourner une couple de petits clips vidéo pour nos prochaines publicités. On a décidé de faire quelque chose un petit peu différent, puis d'essayer quelque chose pour le prochain mois de pub. Mais pour ça, ça me prend du contenu qui est en ligne avec ça. Fait que je vais filmer ça première chose ce matin. Ben, en tout cas, première chose maintenant que je vous parle. Fait que je vais setuper ça. Je pense que je vais filmer dans mon bureau. C'est pour ça que j'avais passé la bailleur. Je pensais filmer dans le salon. Mais pour vrai, je pense qu'ici, ça va être comme plus clean, plus sleek. Puis c'est genre 2-3 clips. Fait que ça sera bien parfait de même, là. Idéalement, quand tu filmes à la maison, il fait soleil et non, et c'est pas une tempête. Fait que je vais filmer ce que je suis capable de filmer aujourd'hui, puis comme je dis, je pense samedi annonce soleil de ce que j'ai vu sur Météo Média. Fait que au pire, la partie 2, je la ferai rendue là. Mon setup est monté, rien d'extrême. Puis j'ai mon sel ici que je vais placer pour faire les shots vidéo. Je pense qu'avant toute chose, je vais prendre des shots B-roll. Fait que des shots juste, pas de personne dedans, là, juste des choses qu'on... Tu sais, la caméra, genre, qui bouge un peu plus. Fait que... Ok. Puis, je vais commencer à faire les petits exercices pour ce qu'on a besoin. Ok, je pense que j'ai de quoi de pas pire. je vais m'envoyer ça par Dropbox, puis je vais aller checker dans l'ordinateur. Des fois dans le téléphone, je trouve ça difficile à visualiser, là, vu que c'est tout petit. Puis j'ai juste besoin genre d'une microseconde de chacune des shots. Fait que c'est juste pour dire qu'on a du contenu à nous, et non du contenu générique que t'es capable de trouver partout sur Internet, là. Fait que je vais regarder ça dans l'ordinateur, mettre ça dans mon logiciel de montage Adobe. J'utilise Premiere Pro pour faire le montage souvent des Reels, des TikTok, que ce soit à moi ou mes clientes. C'est la même chose que j'utilise pour faire mon montage de vlog. C'est juste que je suis tellement habituée avec cette plateforme-là que des fois, je trouve ça plus facile de faire le montage là-dedans que de le faire, mettons, directement dans les applications directement, là. Je trouve que t'as plus de flexibilité et tout. Peut-être juste parce que je suis plus habituée, mais bref. À chacun ses favoris.
Je suis tellement excitée aussi parce que la semaine prochaine, je vais refaire mes cheveux. Je vais aller faire comme exactement la même chose dans le fond. Comme en ce moment, là, comme la dernière fois que je les ai faites. Jusque-là, ils ont fadé un petit peu. Fait qu'on va juste rafraîchir ça un tantinet, probablement couper les pointes. Là. Mais bref, la semaine prochaine. Ben excitée. On est rendu pas mal plus tard et je suis toujours habillée dans mon outfit de fille qui a filmé. Mais je me dis que vu que j'allais m'entraîner aujourd'hui, j'allais juste pas me changer puis j'allais rester habillée comme ça. De toute façon, je suis super confortable. Fait que c'est toujours très le fun. Je vais replacer les petites choses quand je passe la balayeuse. Ben, quand je fais rouler la balayeuse robot, je mets tout le temps ça ici pour m'assurer qu'elle reste dans la zone là-bas. Mais c'est un giga bordel. Donc, je vais essayer de cleaner vite vite puis après ça, je vais procéder à mon entraînement. Check ce qu'Anto m'a amené. Des belles petites roses. Parce que. Il savait que c'était une journée un petit peu plus difficile pour moi aujourd'hui. Comme c'est. Ben, pas l'anniversaire, là, mais c'est la date de décès de ma maman. D'il y a ça 9 ans. Et ça reste une journée qui, je pense, va rester difficile pour le reste de ma vie. Mais ça, j'essaie de me garder quand même occupée aujourd'hui pour essayer de pas y penser. Hein? Non, c'est pas vrai. J'essaie quand même d'y penser, mais je pense au quotidien, fait que je me dis que c'est pas une journée précisément qui change tout. Bref, j'ai pas envie d'être triste aujourd'hui, c'est juste ça. Je vais replacer les choses, mais c'était tellement cute, je m'attendais genre vraiment pas à ça, là. Genre vraiment pas à ça, mais à chaque année, je fais ça, j'aurais dû m'en douter. Bref, ça a bien avancé le travail, je vais mettre ça dans un petit bol tout à l'heure, mais je pense que ouais, là je vais aller faire mon entraînement comme il est rendu un petit peu plus tard que ce que j'aurais pensé. J'ai me suis perdue dans mes lunes tâches. Aujourd'hui c'est une genre de journée. J'ai l'impression que cette semaine ça a été ça. J'ai eu de la misère à suivre mon time blocking. J'avais comme plein d'affaires qui popaient à gauche à droite, fait que j'ai pas nécessairement suivi à la lettre comme j'aurais été censée. Mais du moins j'accomplis les tâches, fait que je me dis que c'est ça l'important. Puis je me dis que tant qu'à ce que mon bureau soit monté en genre de petit espace d'entraînement avec les poids puis le tapis, ben je vais le faire ici. Pourquoi pas? On va faire un changement un peu, puis j'aime vraiment ça, avoir un miroir devant moi pour être en mesure de voir ce que je fais quand je fais mes entraînements. Je pourrais quasiment mettre l'entraînement sur mon ordi, je le verrais super bien. Ouais, je pense que ça, je vais le faire. Pour aujourd'hui, je pense que je vais faire celui-là. J'avais envie de faire quelque chose full body, fait que je vais faire endurance musculaire full body, 30 minutes, celui du 19 février. Bananas! J'ai chaud! Plusieurs heures plus tard, la lumière était là. Nos lumières sont full orange parce qu'on aime vraiment ça quand c'est genre cozy. Ma caméra, ça sort pas super bien. Mais ça me dérange pas parce que l'important, c'est qu'on se sente bien à la maison. Théo vient de revenir de la garderie. Ben, je suis allée chercher en fait, là, il est pas revenu tout seul. Puis on va manger! On va manger des pizzas maison ce soir. Pizza aux légumes. Fait quand même santé avec une sauce maison quand tu as fait. Des restants de tortilla. Ouais, avec des restants de tortilla. Fait que un bon souper de tout ce qui, mais version pas plate. Mettons, je vais me chercher un petit quelque chose à boire. J'aurais filé pour un verre de vino, mais je file pas pour ouvrir une bouteille de vin. Fait que on va skipper ça. Bon, je vais prendre de l'eau. Hein. Il y a les côtés qui sont peut-être durs un peu pour lui, mais. Ouais, j'ai eu la même réflexion. Bon appétit. Bon appétit, merci beaucoup. Assis, assis Théo. On va mettre le soulier assis.
Ah, il est pris dedans? Ça va m'a aidé, mon bébé. Théo fait à cuisiner. Ouais, ça, c'est la mop. C'est ce qu'on prend pour laver le plancher. Papa, il a lavé le plancher pendant que tu faisais dodo. On a commencé à essayer de faire dormir Théo un petit peu moins longtemps le matin parce que ça a l'air que ça lui prend vraiment du temps s'endormir à la garderie. L'après-midi, fait que on raccourcit juste un petit peu sa sieste matinale pour qu'il puisse se faire une meilleure sieste, mettons, l'après-midi. On essaye ça pour une couple de jours, voir ce que ça donne. Comme je disais, c'est sûr que nous autres, ça fait que le soir, quand il fait pas une bonne sieste après-midi, c'est quand même intense. Tous les parents vont comprendre. Donc, wow! C'est quoi ces bruits-là? C'est des bottes pour aller dehors. Quand il y a de la neige, on met des bottes. Mouah! Bon matin! Hey, officiellement, on est plus pantoute le matin. Ça fait quelques heures, j'ai passé les dernières heures à l'ordinateur, à travailler. Puis mon amie est venue, elle avait besoin que je l'aide à faire son CV. Fait qu'on a fait ça. Rien de bien intéressant. Mais j'ai décidé de prendre, je voulais prendre techniquement mon après-midi off, mais j'ai trop de job, je suis trop stressée que je vais pas y arriver à temps. Fait que j'ai décidé de prendre une heure off. J'ai terminé genre une heure plutôt que d'habitude pour aller faire mes petites commissions, mes petites emplettes. J'ai un retour à aller faire. Old Navy, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commandé ces deux chemises-là. Je les avais montrées dans un dernier vlog. Je les adore. Celle-là, par exemple, en l'essayant, j'étais comme moins sûre. Genre, j'en ai qui ressemblent à ça, j'étais comme, bon, j'en ai pas vraiment besoin. Fait que celle-là, je vais la retourner. Ben, celle-là aussi, mais j'en ai commandé une plus grande dans ce modèle-là, parce que j'aime vraiment la couleur. Je l'avais pris initialement en small, mais j'ai décidé de la prendre en medium pour qu'elle soit plus ample, plus oversize. Vous savez que j'aime mes choses quand même oversize. Oh! Que j'ai froid. J'attends que ça arrive dans les prochains jours. Puis, j'ai ma bouteille d'eau. Ça, là, sérieux, thermoflasque, mais genre petit format, c'est quoi? C'est 20 onces? 30 onces? 16 onces. Fait que vraiment pas beaucoup, mais elle est parfaite pour trimballer, genre, justement, avec moi. Tout petite, elle fit dans mon cup holder. J'aime vraiment mon autre que j'ai acheté sur Amazon, mais elle rentre jamais dans mon cup holder. Fait qu'elle trimballe partout, à gauche, à droite. Ça me tape sur le système. Quand je conduis, j'entends juste ça frapper à gauche, à droite. Fait que j'ai décidé d'apporter celle-là. Celle-là, je l'avais pris au Costco dans un paquet de deux. C'est genre deux bouteilles comme ça pour un prix qui faisait relativement du sens, en fait. Ça fait un moment, par contre. Fait que je sais plus si sont disponibles. Mais bref, on est vendredi, rendu 2h30. Puis, comme des petites commissions à aller faire avant le week-end. Ben, je vais aller faire mon retour. Je vais aller chercher une commande que j'ai fait préparer là-bas. Puis, je voulais me promener un peu. Mais j'avais envie de prendre un petit moment pour moi cet après-midi, après cette grosse semaine chargée. Beau week-end en perspective. Un peu de plan, mais pas tant que ça. Là, demain, on a... Anto, il travaille pas mal toute la journée. Fait que ça va être pas mal juste Théo et moi. On va peut-être aller voir mon ami qui va être chez sa mère, pas trop loin de la maison, pour que les enfants jouent ensemble. Sinon, demain soir, on a un souper avec des amis. Ça va être super le fun. On pensait aller un genre de truc style Illumi, là, comme il y a à Laval, mais à Belleuil. Sauf qu'il annonce vraiment froid. Fait que je sais pas si on va se rendre là. Surtout avec Théo, là, si tu sais... S'il fait trop froid, ce sera pas le fun pour lui, ce sera pas le fun pour personne. Fait que on va voir en temps et lieu, mais on va souper, ça c'est sûr et certain. Puis dimanche, ben ça s'annonce assez tranquille, on n'a aucun plan. J'aurais aimé ça texter la mère de mes amis d'enfance, savoir si elle voulait se joindre à nous pour l'après-midi ou en tout cas venir nous voir un petit peu ou qu'on aille la voir, peu importe ce qui ferait son affaire. Pour passer un petit peu de temps avec elle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, fait que je pense que ça ferait du bien puis ça serait bien cool. Donc bref. Petit week-end en perspective, mais je suis sûre qu'il va être super le fun parce que ça finit toujours par être le fun. On finit toujours par avoir des plans spontanés puis par passer des super beaux week-ends. Premier stop, Old Navy, baby. J'ai un petit retour à aller faire. Je m'en viens porter ça en fait, puis
J'ai fait préparer une commande. Fait que je vais la récupérer en même temps. Je vais checker, je vais browser un petit peu. J'ai le temps, fait que pourquoi pas. Puis pour vrai, là, c'est tellement underrated comme magasin. Genre, ils ont tellement des belles affaires, mais ça tombe tout le temps en rabais. Fait qu'attendez que ça tombe en rabais. Oh. Coucou! Tape là! Doing! Tape là! Doing! On est revenu à la maison! On va aller prendre une petite marche! À Théo! Yeah! C'est le fun, hein? Juste un petit tour, juste pour dire qu'on prend l'air. On s'en va dans le bain? Bain! Fini. Il y a assez d'eau dans le bain, regarde. Il y a beaucoup d'eau. Tiens, on va aller voir papa. Aïe, bon bonhomme! Moi? Oh, wow! Je me demande si c'est la même cuisson. I'm a hungry dinosaur, time to eat, please feed me. Cookies. On va écouter nouvel épisode de la F1 sixième saison qui est sortie sur Netflix. Yay! Bon matin! J'espère que ça va bien. Il fait tellement froid! Mathéo! Il fait moins 25 ressentis. J'ai pas l'impression qu'on a vraiment eu ça l'hiver. Fait que c'est atroce. Surtout après un genre 6 degrés hier, là. C'est assez fracassant. C'est Théo et moi ce matin. Anto est au travail aujourd'hui. Fait que on s'amuse comme on peut. Mais c'est sûr que ça sera pas dehors. C'est vraiment pas une température agréable pour jouer dehors, pour prendre des marches, peu importe. Là, fait que ça va être plus tranquille. Mais on s'en vient faire un petit tour à l'épicerie. Mon Dieu. Parce que ce soir, on était censé aller souper chez des amis. Par contre, avec l'année dernière qu'on a eue, c'est-à-dire un gros 4h30, 5h de sommeil, on déplace le souper à la maison pour que les autres ils viennent chez nous à la place. On va bien finir par être capable d'aller souper chez eux à chaque fois qu'on a un souper de planifié qui est chez eux. Il arrive toujours de quoi la dernière fois on a pogné à gastro. Là, genre vraiment une nuit, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas une nuit de même, là. Fait qu'on s'est dit que c'était peut-être mieux qu'on soit dans nos affaires. Si jamais il y a quelque chose avec Théo, peu importe, ben au moins on va être genre, tu sais. On sait nos petits trucs à la maison versus quand t'es ailleurs. C'est jamais aussi facile. Fait que Théo et moi, on s'en vient faire des petites emplettes pour ça. Mon amie, elle avait déjà acheté comme tout ce que ça prenait pour le souper. Moi, je vais acheter l'entrée, le dessert, puis peut-être arrêter à la sac qui est à côté, là, tant qu'à y être, pour genre un petit drink ou un petit seltzer ou quelque chose comme ça. On va voir qu'est-ce qu'on trouve, mais je me suis dit que ça allait nous faire une petite sortie pour commencer la journée. On va-tu prendre un petit pâté? Je pense que ça pourrait faire du sens. Rillette de canard. Quack, quack. Wow! Il fait froid dehors! Tiens, tu veux-tu qu'on fasse une petite activité? C'est peut-être petit pour toi, ça, hein? Que tu veux faire un petit peu de dessin? Tu sais ce que ça veut dire, toi? On va coller une feuille de papier pour Théo. C'est correct, c'est cool. Tu vois, c'est super cool. Ça prendrait des crayons de cire, mais on n'en a pas. Fait que ça va être ça, OK? Regarde! Attends, on va faire un nuage. Ok, oh non, on ne fera pas de nuage. On va faire un nuage avec une autre couleur. Wow! Est-ce qu'on dessine dedans? Doing! Oh, Toby! Bye bye!
Et là là. Et c'est pour cette raison que les crayons de cire sont beaucoup mieux pour les enfants de son âge. Il y a des mines cassées partout. Je vais rouler la balayeuse quand elle va être couchée. Il a littéralement pété genre tous les crayons. Fait que on va essayer de trouver ouais, une meilleure idée l'autre fois, mais on s'entend que c'est pas mal plus moi que Théo qui a fait des dessins. Mais ça nous a amusé. C'était bien le fun. Encore. Je pensais faire un petit peu de travail pendant qu'il allait dormir. Mais là, vu que finalement le souper est ici, j'avais pas prévu pantoute recevoir du monde, vous savez ce que c'est, hein? On se laisse un petit peu plus aller dans ce temps-là. Je vais en profiter pendant qu'il dort pour faire un petit peu de ménage. Après ce que j'avais mis ce matin, j'ai réalisé que j'avais échappé plein de café là, dans notre pot dessus. Notre chute à linge, ça. Oh non, on ferme la porte de la salle de bain parce que sinon, tu vas vouloir aller jouer dans la toilette et on veut pas ça parce que c'est caca. Je vais ranger son linge qu'on a plié ce matin. On a plié genre 4 brassées de lavage ce matin. Puis, pendant qu'il dormait, je vais placer ça avant qu'il dorme justement pour pouvoir libérer ce panier-là. Libérer un petit corner du salon. Puis, pour avancer un petit peu plus. On a fait un ménage dans les boîtes que la mère Antoine nous avait apporté du stock que lui et son frère portaient quand il était jeune. Il y a tellement d'affaires trop cute, genre ce petit manteau-là, un genre de polar, qui est techniquement du 3 ans, je pense. Ouais, 16-3. Mais il est tellement grand que c'est sûr que ça va y faire, genre pour le printemps, ça va être tellement cute. Hein? Hey, ça va où, mon quelqu'un? Il est crazy, les chats! C'est ma montre qui fait le reflet. Je viens juste de coucher Théo, puis, comme si j'en profitais pour un petit peu de ménage pendant qu'il dort, je viens en fait de finir de réorganiser le tiroir dans lequel il y a toutes ses affaires. C'était vraiment le bordel. C'est pas parfait, mais pour vrai, c'est vraiment mieux organisé que c'était. Fait que, à mon avis, c'est vraiment mieux et plus fonctionnel. C'était genre plein de pile-mile, des fonds de. De petits snacks genre de même et tout là, fait que je les ai toutes combinées. Puis je les ai mis ailleurs parce que là il accède à ce tiroir là, puis à chaque fois qu'il veut quelque chose, il fait juste aller le chercher puis le prendre, mais on a comme pas nécessairement envie que ce soit pas grand chose qui manque le matin là, fait que j'ai toutes mis ces snacks avec les nôtres ici un petit peu plus haut dans l'armoire, puis j'ai gardé ça essentiellement des trucs qu'on sert à tous les jours là, fait que les biberons, les espèces de débarbouillettes qu'on prend pour le laver. En fait, celle qu'on préfère là, c'est vraiment genre ces bavoirs là. C'était des bavoirs qu'on utilisait quand il est né, quand il régurgitait et tout. Et puis, ça fait des superbes, superbes des barbouillettes. Là. C'est genre vraiment une bonne grosseur et tout. Là. Je les avais pris sur Amazon. Je pourrais vous les mettre en barre info si jamais vous voulez regarder ça pour vous ou si jamais vous allez avoir un enfant, peu importe. Toutes nos assiettes qu'on a ici, des petits plats, ce genre de choses-là, des bavettes, médicaments, ce genre de trucs-là que je pourrais mettre dans la salle demain en fait quand je suis en train de penser, mais il se rend pas jusqu'au milieu, fait qu'il se rend vraiment juste sur les côtés, sur les bords, c'est ce qui nous importe le plus. Bref, anyway, il est jamais tout seul, fait qu'on le regarde tout le temps. On en avait avant des comme ça, là, mais pour vrai, ils sont tellement merdiques pour essuyer que je vais juste m'en débarrasser. Ça sert à rien de garder ça pour rien. Je vais commencer à cleaner un peu, fait que ça à descendre en bas. Je vais ramasser, je vais passer la balayeuse un peu partout. Je vais la faire rouler en fait le robot ici dans la salle à manger. Puis un petit peu plus tard tantôt, je vais la faire rouler ailleurs. Mais du moins, ça va avoir le temps de faire son travail pendant ce temps-là.
dès que ça va être fait, ben, je vais pouvoir tout cleaner ici. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est ça, le souper déplacé. Ça, je l'avais dit tantôt, là, ici, à la place, pour nous aider à nous accommoder un petit peu plus. Puis, j'ai un couple d'amis avec leur garçon, qui est le même âge que Théo, mon ami Gabriel, qui va venir avec son chum, puis son bébé, tout à l'heure, après la sieste des enfants. Fait que, on va jouer un petit peu. Eux autres vont rester prendre un apéro sûrement avec nous plus tard cet après-midi. Et par la suite, ils ne voulaient pas souper avec nous autres parce que je trouvais que c'était trop tard. Là, fait que c'est bien comprenable. Eux autres aussi ont des nuits difficiles ces temps-ci. Fait que, ils vont retourner chez eux, mais au moins, on va avoir la chance de pouvoir les voir cet après-midi. Fait que déjà ça, c'est super cool. Là. Donc, avant... Après. J'ai pas pu faire le lit au complet. Parce que les deux, ils chillent. Puis je trouve qu'ils ont l'air trop bien, fait que je veux pas les enlever. Avant. Après. Fait que c'est pas mal mieux que c'était. C'est pas parfait, mais mon bureau, on s'entend, on chillera pas dedans. Là. C'est juste pour ramasser le plus gros. J'ai aussi fait mes cheveux. Puis j'ai retrouvé des photos de moi, genre, by the way, je suis en train de faire sécher mon chandail. Fait que, c'est ça, vous allez me voir juste la tête. Mais, j'ai retrouvé des photos de moi avant que je sois enceinte ou pendant que j'étais enceinte. Mes cheveux étaient tellement longs, ils étaient tellement beaux. Puis là, j'étais comme, hey, ça fait longtemps que je les ai frisés. Ça m'a comme donné le goût de les friser. Fait que, c'est ce que j'ai fait. J'ai même eu le temps de faire ça. Puis Théo se réveille à l'instant. Fait que, genre, vous avez jamais vu une fille courir pour faire du ménage, là-même, de toute sa vie. Bon, moi, je suis contente parce que j'ai tout eu le temps de finir. Il reste ça qui est sorti sur le comptoir. J'ai acheté ça comme dessert. Si jamais vous avez jamais goûté à ça, là, c'est un des meilleurs desserts que j'ai goûté. Le chocolat favori, le brownie. Il me semble que c'était lui. Ouais, c'était lui qu'on avait goûté et c'est tellement bon. Fait que je suis vraiment très excitée de manger ça ce soir. Petite baguette de pain pour aller avec la rillette. Puis le fromage que je vous disais l'autre fois. Rillette et le fromage, c'est le rondelet. Noix de Dordogne. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était noix de Grenoble, mais non, c'était noix de Dordogne. Il est tellement bon. Genre, je capote. Tout le monde avait trippé là-dessus. Là, c'est vraiment comme la même consistance, je dirais, qu'un boursin, sensiblement. Fait que ça va être super bon. Ça m'a fait vraiment fureur la dernière fois que je l'avais acheté. Fait que j'ai repris ça. Puis, c'est pas mal ça. J'ai les petites chandelles qui brûlent et qui font en sorte que ça sent vraiment bon. Puis la belle lumière, sérieux, qui rentre dans la maison en ce moment, là, à cette heure-ci de la journée en avant, dans la pièce principale, c'est incroyable. J'adore ça. Fait que là, je vais allumer celle-là aussi, juste parce que, je sais pas, je trouve qu'avec notre problème de moufette, je sais jamais si je me suis juste habituée à l'odeur ou si ça sent vraiment. Fait que j'aime mieux pas prendre de chance, puis en brûler. De toute façon, ces deux senteurs-là, celle-là, c'est Coffee and Whiskey de Bath & Body Works. Probablement ma chandelle préférée, ever, je dirais. Elle sent tellement bonne, mais tout le temps sold out. C'est incroyable, j'aurais dû en prendre genre vraiment plus quand je l'ai trouvé là, parce que là j'essaie de l'économiser pour justement qu'elle me touffe le plus longtemps possible, mais elle va super bien avec l'autre qui sent comme la vanille là, qui est allumée ici, fait que c'est pas comme trop de senteurs en même temps. Petit outfit final, Jimmy Satmise là, du Navy, que j'ai reçu tantôt, qui est la même que je vous avais montré, là, que j'étais allée reporter parce que je la trouvais trop petite. Je l'ai pris en médium finalement, juste parce que je voulais qu'elle soit encore plus baggy puis oversize, parce que j'aime vraiment porter genre ce genre de chemise-là qui sont comme en une espèce de lin, là, comme cover-up de maillot, ouverte, genre vraiment quasiment comme un cardigan. Fait que je me disais que j'allais réussir à avoir ce look-là un petit peu plus avec une oversize. J'ai roulé les manches juste pour un look un petit peu plus casual. J'ai gardé mes jeans classiques du Dynamite, les Shara, je crois, le modèle, mais je les adore. Je les ai dans autant dans le noir qu'en jeans bleu, là. C'est vraiment mes jeans préf de tous les temps, surtout parce qu'ils ont quand même une grande sélection de grandeur pour les petites tailles. Fait que quand je veux quelque chose qui est plus ajusté puis qui va me fitter à la perfection, j'aurais pas besoin de faire reprendre, là. Dynamite, c'est vraiment mon go-to. Mon ami vient de me texter que son garçon se réveillait comme Théo se réveille. Fait qu'ils vont partir de chez eux, pacter le stock, puis venir nous rejoindre ici. J'ai bien hâte de les voir. Antoine avait réussi à connecter son Bluetooth, ben son téléphone, au Bose qu'on a ici, qui est notre barre de son. Puis il l'a fait sur son sel, mais pas sur le mien. J'aimerais quand même ça être capable de le faire, vu qu'il est pas là. Puis qu'on puisse écouter de la bonne petite musique, genre... Fait que t'allumes ça, Bluetooth,
Hey, je me suis brûlée avec mon fer, là. Ah ouais, ça fait tellement mal. Oh, je pense que je l'ai. Oh. Yay! Oh, c'est excitant, ça. Bon, solo system. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout le temps, mon chum qui gère la musique dans cette maison. Fait que j'ai pas beaucoup de chansons. Autre que celle qu'il met tout le temps. Là. C'est tellement rare que j'écoute de la musique, on dirait. Je suis soit en train d'écouter un podcast, soit en train d'écouter du silence. Si t'es parent, tu vas comprendre exactement ce que je veux dire. Quand je suis dans l'auto, je suis tout seul. Souvent, si j'écoute pas un podcast, j'écoute le silence. Genre comme là. Pas un son. C'est du bonbon pour mes oreilles. Spotify me proposait cette playlist-là. Hot Country. Fait que 50 chansons. C'est pas mal dans mes cordes. Parce que l'autre, la manière qui a rebondi ici, là, je pense qu'il l'a montré, c'est vrai. Cadeau. Dis-tu merci, Phil. Après. Tu vas voir, dans 10 ans, tu vas le regarder. Chapeau. Doing. Ok, dans le fond, on va le partir un bon 2 heures, comme ça on va faire. Parfait. Fait que t'as fait quoi? T'as fait soupe à l'oignon? Oh, non! Petit ketchup. Soupe soya, oh, ketchup, ail. Sel poivre. On marchait par les caisses, puis on recommence. Sachets de soupe à l'oignon. Combien? Deux? Deux sachets, ouais, parfait. Avec les petites carottes ici. Ok, on met ça quand le four est prêt? Ou il est pas sur le rond, là? Tout ça pendant genre 2 heures? Ouais, un bon 2 heures. C'est malade, ça. Ben, soit t'as un UFC. C'est celui-là que t'en vas vouloir acheter? Mais toi, tu dis qu'il vaut pas tant la peine. PFL a acheté Bellator, là. Ok, ouais, c'est bon. Fait que là, ils non, font, ben, c'est comme les. Puis qu'est-ce que. Y en a-tu d'autres qui sont meilleurs que ça? Ouais, c'est certain, il faut un peu de ce là. Là, vu que PFL. Chut, 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 chut. Tourner des clips, des bombes, ça, c'était violent. Mais, gros. Claude, prends ton temps, mais fais ça vite. Miam, miam. Petite pâte maison.